Du Parlement, donc on va essayer d'aller les rejoindre. Donc on va essayer de faire partir le cortège tout doucement. Ouais, mais alors là c'est bloqué. On va essayer de les rejoindre. C'est 5 gilets jaunes, donc c'est nos amis, c'est nos copains. Et là, il faut y aller. Donc on y va. Il y a quand même beaucoup d'activité dans la plupart des villes.
perturbée, une manifestation massive. Gérard Dubé, le spécialiste. Les pigeons et Macron. C'est effrayé les gens pour qu'ils viennent en manif de toute façon. Donc, ça sera, c'est vite vu. Hein. Moi, ça va pas. Ouais. De toute façon, si on est là. Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! Libérez nos camarades! La police déteste tout le monde! Oh!
Thank you.
Descends, descends.
Bravo. Bravo. On applaudit. On applaudit. Bravo. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta journée aujourd'hui en ce 26e mobilisation? Alors pour cet exercice, ouais, je peux te raconter en fait ce que j'ai vécu. Moi personnellement, j'avais fait un petit appel et donc ma tête elle est bien apparente, je n'ai pas à me cacher. J'ai fait un petit appel aujourd'hui au niveau de Bordeaux, solidaire envers les gens qui sont sans abri, les SDF. Et les retraités qui eux aussi deviennent SDF parce que on est en train de subir quand même quelque chose au niveau politique qui écrase tout le monde. Donc effectivement aujourd'hui j'ai fait un petit appel au niveau des SDF et des retraités qui n'ont plus rien, qui réclament quelque chose et non pas que pour eux mais surtout pour leurs enfants ou leurs petits-enfants. Et donc je me suis joint avec eux dans la rue et aujourd'hui dès le départ je peux dire qu'on a eu droit à un gros gazage. On nous a interdit même avec des banderoles très symboliques du style sans toi ni loi, qui est quand même quelque chose qui date du 4 décembre 1985, où on avait d'autres présidents qui étaient présents, où le sans toi ni loi, alors qu'on était avec des F, on demandait quoi de neuf en 2019. C'est quoi sans toi ni loi? C'est une association? C'est... Du tout. Sans toi ni loi est un film qui est sorti en 1985, où c'était Sandrine Bonner qui jouait le rôle d'une demoiselle qui s'appelait Mona et qui est morte dans des conditions un peu spéciales dans la rue et surtout dans l'oubli de tout le monde. D'accord, et sur ta banderole, j'ai vu 31 décembre 2017, quoi de neuf? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, ça, la première, c'était sans toi ni loi, c'était pour rappeler qu'en le 4 décembre 1985, pour le sans toi ni loi, et qu'on est en 2019 et qu'il n'y a pas quoi de neuf qui s'est passé entre les gens qui étaient dans la rue à cette époque et à l'heure actuelle. Et la deuxième banderole qui était mise aujourd'hui et qui était soutenue par des gens de la rue, des SDF, des sans-abri et aussi des retraités qui étaient derrière, c'était Monsieur Emmanuel Macron a promis aux gens de la rue que le 31-12-2017, il n'y aurait plus de gens dans la rue le 31-12-2018. Or, à ce jour, on se rend compte qu'il y a toujours des gens dans la rue et qu'on se dise aussi, on est en 2019 et on peut comptabiliser à l'heure d'aujourd'hui, donc on est au mois de mai, qu'au 29 avril 2019, il y a eu 108 SDF morts dans les rues et qui plus est, la moyenne d'âge a été calculée, elle arrive à 48 ans. Donc après, si on fait des ratios dans un sens ou dans un autre, on se rend compte qu'il y a des jeunes qui sont morts dans la rue, mais il y a aussi des retraités et des gens un peu plus vieux qui sont morts dans la rue. Et donc on était là aujourd'hui pour rappeler ce fait-là qui quand même peut concerner du jour au lendemain tout le monde parce qu'on n'est pas à l'abri ni de la maladie, ni de se retrouver dans la rue et dans le désarroi. Ok, donc aujourd'hui, c'est pour ça que tu étais là, toi, c'est pour parler des sans-abri et de la situation actuelle. Et qu'est-ce que tu peux nous dire de comment s'est déroulée la journée, de ce que tu as pu voir, toi, d'une manière générale? D'une manière générale, il y avait
il y avait une petite mobilisation à l'heure actuelle, parce qu'on est quand même au mois de mai, et qu'au mois de mai, il y a plusieurs manifestations qui se font, que ce soit syndicales, et surtout syndicales, que ce soit le 1er, le 8 mai, et puis ensuite, tous les mouvements un peu publics, des services publics qui se mettent en cause, à savoir, on va avoir l'éducation qui a décidé le 10 ou quoi que ce soit d'aller manifester dans la rue, la mobilisation, elle est moindre. Ensuite, le mouvement, effectivement, on arrive bientôt vers les 6 mois. Il faut se dire que le gilet jaune, s'il est dans la rue depuis le départ, c'est pour manifester quand même qu'il a un mal-être, qu'il a envie de vivre autre chose. Et surtout, dans son envie de vivre à lui, il faut se dire que, pour moi personnellement, qui le suis, ça serait partageur. À savoir, si jamais je dois manquer de quelque chose et que je l'obtiens, j'espère bien qu'une fois que j'aurai obtenu ce petit quelque chose, je peux le redistribuer. C'est comme si on demandait un peu à un aveugle de voir, mais le gilet jaune, lui, le petit peu qu'il peut obtenir, c'est essayer de le rayonner vers les autres. Mais on n'est pas dans ce contexte-là. On a des gens qui sont bien au-dessus, qui vivent bien au-delà. C'est plus un fossé qu'il y a entre eux et nous, c'est carrément un canyon qui nous sépare entre la volonté d'être humain et celle de se servir de l'humain. Voilà. Ok, ben je te remercie et tu seras là j'imagine samedi prochain. Sans doute que je serai là comme les samedis au précédent. Quand j'étais pas là, c'est que j'étais ailleurs. Mais en fait, moi je suis pour l'humanité. Le problème, il n'est pas que financier, il est humain. Et le jour où la finance se mettra au service de l'humain, à ce moment-là, on vivra totalement autre chose. Mais je reste utopique. Ok, et ben restons utopiques et gardons espoir alors, c'est ça le message? Ouais, le message, tant que l'être humain vivra, l'espoir vivra, et tant que l'espoir il est là, l'humain il croira, ouais. Donc ouais, j'ai confiance en l'humanité, j'ai confiance en l'humain, j'ai confiance à ceux qui ont un cœur et qui n'ont pas que le portefeuille. Et même s'il y en a beaucoup qui ont le portefeuille et qui ont du cœur, et ben qui s'approchent de nous. Et ensemble, on ira chercher avec le portefeuille l'humanité. Et l'humanité, on la rendra sans portefeuille une fois qu'elle sera retrouvée, reconstituée. Et de nouveau, elle pourra éclairer le monde. Et puis, je suis fier d'être français, fier dans un état où on a des droits, où on a des ancêtres qui sont battus pour avoir plein d'acquis, où on est aussi au malheur des gens. Parce qu'il ne faut pas oublier que les croisades, ça nous concerne aussi. L'esclavagisme, ça concerne, étant bordelais, ça nous concerne aussi. On a été un port négrier. Oui, d'ailleurs, à ce sujet, tu disais qu'il y avait aussi une mobilisation aujourd'hui. C'était à la place de la Victoire, c'est ça? Tu peux nous en parler? Tout à fait, j'ai cru comprendre qu'il y avait une manifestation ce matin à 11h qui était contre l'esclavagisme. Il faut savoir que Bordeaux, comme Nantes, a été un port négrier. Que nous nous sommes servis de gens de couleur pour d'une part construire quelque chose qui leur appartenait chez eux et qu'à un moment donné, c'est quelque chose qui date d'avant, nous aujourd'hui on ressent ce mal-être parce qu'on vit avec tout ce qui a été acquis avant. Donc ça c'est pareil, pour moi, il faut qu'on redistribue tout ce qu'on a volé à ceux qu'on a volé. On en est capable. De nos jours, on est capable d'envoyer une fusée au fin fond de Mars, de nous envoyer une fonde au fin fond du trou du cul, nous trouver une polype qu'on ne sait pas d'où elle arrive. Je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à régulariser le droit d'être humain dans l'humanité et partager tout ce qu'on a à partager parce qu'on est tous humains au final, quoi. Si je résume ton discours, en gros, c'est mettre l'argent au service de l'homme, c'est plutôt que l'inverse, c'est ça? Exactement, exactement. C'est surtout ça, quoi. C'est l'argent, il est là pour aider les gens et non pas pour affaiblir les gens et exploiter les gens. L'argent, il est là pour nous amener au demain. Je comprends qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient au-dessus. Je comprends qu'il faut impérativement qu'on ait des gens qui soient chefs, au chef, qui aient des patrons d'entreprise. Chacun a ses responsabilités, chacun a vécu avec ses études, chacun, etc. Ok. En contrepartie, celui qui est né le cul dedans et qui exploite tout ce qui est fait sur ce même système, il n'a plus rien à foutre parmi nous, quoi. Il faut qu'il ait la redistribution de tout. Et c'est pour ça qu'ils ont eu du mal à créer pour les universitaires, c'est dommage qu'on ne les a pas avec nous. Ils ont créé des bourses pour les universitaires qui arrivent de nulle part et qui arrivent à quelque chose. Mais une fois qu'ils arrivent à quelque chose, ils sont exploités par qui? Ils sont exploités par... voilà. Et c'est ça qui est dommage. C'est ça qui est dommage. Ok. Je te remercie pour ce témoignage et puis
À bientôt et bonne fin de journée. À bientôt, TB. Merci à vous. Et on lâche rien. Merci.